Pop l'express, qu'il est gêné des mains. Les rumeurs sur son enfant, Cribron dans de sales draps rapido, ils s'aiment, ils se déchirent, ils se réconcilient, ils nous agacent autant qu'ils nous font sourire. Voici Pop l'express, l'actu des stars à toute vitesse. Au menu du jour, GZ appelé à témoigner devant la justice. Kylie Jenner obligé de répondre aux rumeurs sur le père de son enfant, ou encore Cribron englué dans une affaire d'agression sexuelle à son domicile. Que s'est-il passé sur la planète Pop ces dernières heures? Alors, bien sûr, tout le monde dit que tout cela est futile, que la vie des stars n'est que superficielle, et que ça n'intéresse personne, et, pourtant, tout le monde, mais sans vraiment l'avouer, est curieux d'en connaître un peu plus sur le quotidien des peuples. Vous êtes donc au bon endroit, car ça se passe ici. GZ, appelé à témoigner devant la justice, le rappeur américain GZ, rattrapé par la patrouille. Un juge fédéral new-yorkais lui a ordonné de venir témoigner la semaine prochaine, dans une affaire de manipulation comptable sur laquelle enquête le gendarme des marchés américains. Sean Carter, de son vrai nom, devra répondre aux questions de la Security and Exchange Commission, SEC, dans le cadre d'une enquête sur la société Iconix. Une société créée en 1999 par le rappeur Point des Viols dans une soirée organisée chez Cribron. Voilà un autre rappeur américain et au cœur d'une sombre affaire. Comme le rapporte le site américain TMZ, une femme affirme avoir été violée lors d'une soirée organisée par Cribron et qui se tenait chez lui. Elle accuse notamment des amis du producteur de l'avoir enfermé, lui avoir confisqué son téléphone portable, et l'avoir obligé à s'adonner à des pratiques sexuelles sur une femme qui avait ses règles. Le tout avant de se faire violer, par un des amis de Brown, le rappeur Yon Lo, Lowell Grissom. La procureure en charge du dossier parle d'une des pires affaires d'agression sexuelle qu'elle ait connue dans sa carrière. Cribron aurait fourni pendant la soirée alcool et drogue dure à ses invités en leur demandant de s'amuser. Les faits se sont déroulés en février 2017. Point Kylie Jenner dément les rumeurs. Son garde du corps n'est pas le père de son enfant. La tempête médiatique ne cesse de grandir depuis le début de la semaine. Sur les réseaux sociaux, plusieurs personnes ont fait état d'un lien de ressemblance physique entre le bébé de Kylie Jenner, Stormy, aujourd'hui 3 mois, avec son garde du corps, Tim Chan. Grâce à des montages, les internautes pensent savoir que l'enfant ressemble davantage à Sean qu'à Travis Scott. Visiblement échaudé par ces rumeurs, Kylie Jenner a décidé de réagir. Les rumeurs sont fausses, aurait dit Kylie Jenner, comme l'explique TMZ. Déjà à la naissance, une autre rumeur avait circulé. Son ancien compagnon, Tyga, aurait aussi pu être le père. Et Travis Scott dans tout ça? Cathy Barr/Taylor, de nouveau de l'eau dans le gaz? On vous parlait hier de la belle lettre envoyée par Katy Perry à Taylor Swift. Après 6 ans de brouille, Katy avait semble-t-il décidé de recoller les morceaux en s'excusant, et en endossant la responsabilité de leur bisbille. Un geste qu'avait apprécié Taylor Swift, puisqu'elle avait posté sur son compte Instagram une photo de la dite lettre.
Mais on apprend aujourd'hui que Cathy aurait été vexée suite à cela. La raison ? Taylor aurait mis en avant les mots où Cathy endosse cette fameuse entière responsabilité. Or, elle aurait préféré que tout cela reste privé, précise le Daily Mail. Dommage, c'était bien pertinent. Point d'interrogation. Romance, mariage, naissance, divorce. Retrouvez toute l'actualité des stars dans notre rubrique Pop. Xavier Martinage mit à jour, créé.